j'ai eu la malchance d'être arrivé le premier sur cette courbe. Et à partir de ce moment-là, je me rappelle de plus rien puisque je suis parti directement dans le rail en face. Friday morning was nice and sunny, but not for Eric Comas, who crashed heavily in the fast Blanchimont sweep before the pits. Ayrton Senna was the first to reach the scene of the crash, and he rushed to help the motionless Frenchman. J'en ai aucun souvenir, c'est les images que j'ai vues ensuite, mais j'en ai aucun souvenir. Ma mémoire s'est coupée rétrospectivement quelques secondes avant le choc. Et la roue avant droite est venue percuter mon casque sur le côté droit et ça m'a fait un chaos de boxeur, quoi. Et la voiture a rebondi au milieu de la piste, mais je suis resté accéléré à fond. C'est-à-dire que votre pied est resté sur l'accélérateur? Ouais, voilà, comme j'étais inconscient dans la voiture, accéléré à fond. Ayrton est arrivé. Et il a tout de suite entendu le bruit, le rugissement du moteur qui était à 7 ou 8000 tours. Donc lui a arrêté sa voiture. Il a arrêté sa voiture, défait son harnais, il est venu en courant, alors qu'il y a encore des concurrents qui arrivaient ralentis par les drapeaux jaunes, mais la piste n'était pas dégagée de tout danger. Et il a cherché le coupe-circuit, il a coupé le contact général de ma voiture, parce qu'effectivement à ce moment-là, il y avait quand même un risque important d'explosion, ou tout du moins d'incendie, avec suite à l'impact de la voiture, il y avait quelques fuites et bon, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. En quelques secondes, ça aurait pu exploser. Ça aurait pu. Probablement que ce jour-là, Ayrton m'a sauvé la vie. C'est 2 ans plus tard que vous allez vous retrouver à ses côtés, lors de ce qu'on appelle le briefing d'avant-course, c'est ça? Et effectivement, le 1er mai 1994, pour la première fois de toute ma carrière en Formule 1, je me retrouve assis à côté de lui à 8h30 lors du briefing de la direction de course. On était tous dans un état d'esprit très particulier. Parce qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses ce week-end. Il y avait l'accident de Rubens, il y avait la mort de Roland la veille. Il y avait... on était... Quand même, quelque part, en tous les cas, moi je parle pour moi, mais je crois avoir aussi ressenti le sentiment des autres un petit peu dans un état second. Ce qui venait de se passer, c'était un petit peu irréel. Et de quoi vous parliez alors? Ayrton Senna était lui également marqué par ces accidents à répétition? Oui, bien sûr qu'il était très marqué, et il m'a dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Je voudrais pas laisser penser qu'il avait une faiblesse émotionnelle qui a pu... qui pourrait être une source d'explication de son accident. Ça, j'y crois pas. Un dixième de seconde. Simplement, on était tous dans un état de traumatisme psychologique parce qu'il y en avait un de moins le dimanche. Et j'arrive à Tamburello, il y avait déjà l'hélicoptère médical, l'ambulance, la voiture d'Ayrton, et Ayrton qui était déjà sur une civière à côté de sa voiture, et donc j'ai immobilisé ma monoplace. Vous êtes retrouvé avec votre voiture en face de l'hélicoptère sur le circuit? Je me suis retrouvé au milieu de la piste, à quelques mètres du drame. J'ai compris en arrivant, il y avait un message, c'était assez... je crois que c'est... Ayrton avait... Quelqu'un qui dégageait tellement d'ondes, on va dire. Et là, c'était une bombe atomique qui venait d'exploser dans Tamburello. Il y avait vraiment une atmosphère lourde, lourde. Et sans voir les détails, je savais que c'était très, très grave. Et surtout, il y a une paralysie qui s'est installée chez moi parce que je me retrouvais à côté de l'homme qui, 2 ans avant, m'avait sauvé la vie sans rien pouvoir faire. Et ça, c'était terrible parce que lui, il m'a sauvé la vie et moi, bon, je suis arrivé trop tard. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas réanimateur. Et puis, de toute façon, son état était déjà... l'accident était différent du mien, mais bon, je me suis retrouvé là impuissant à ses côtés. Et ça a été une épreuve terrible dont j'arrive à parler simplement 10 ans après, que depuis quelques mois, et qui m'a... que j'ai gardé en moi très 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 longtemps. J'étais le dernier des pilotes à le voir. Et bon, c'est tombé sur moi. Et ça, c'était difficile à admettre que j'avais été l'élu de la dernière visite. Et pour son dernier envol. Et donc je crois que là, c'était...
c'était vraiment la fin du livre de la Formule 1 en ce qui me concerne. On arrête la course et une enquête est ouverte. C'est en tout cas ce qui n'a pas été appliqué, en l'occurrence pour Roland Ratzenberger. Pourquoi cette loi, selon vous, ne s'applique pas ? Je crois que c'est le pouvoir sportif qui est clairement en cause, et seul lui avait connaissance de cette loi, et seul lui, si effectivement, et il ne peut pas en être autrement, a eu connaissance du décès de Roland sur le site le samedi, seul le pouvoir sportif pouvait prendre la décision. Nous, les pilotes, je dirais que malheureusement, c'est pas nous qui tirons les ficelles, et on a été informés que tardivement. La mort d'Ayrton, on l'a su à l'aéroport. Il aurait été décent de la part de l'équipe Williams de retirer la deuxième voiture. Ça, c'est le minimum syndical. Pas de drapeau en berne, les hymnes, le podium, toutes les cérémonies, comme si de rien n'était. Donc ça c'est l'insupportable que vous avez vécu en direct à la télévision sur place pour ceux qui étaient. Moi j'étais déjà parti, j'étais déjà à l'aéroport, mais c'est vrai que c'est carrément scandaleux. Surtout que là aussi il y a eu beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. L'état médical d'Ayrton était aussi bien connu. On est de toute manière dans un sport business, et il y a un show à assurer, jusqu'où le pouvoir sportif est prêt à aller, et là, visiblement, il est allé beaucoup trop loin.